ça tourne. Cette blague est du... Attends, mais par contre, ça, j'étais pas prêt. Accident de travail, accident de tournage. Bonsoir, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va réagir à des pubs. Mais pas n'importe quelle pub. Des pubs qui sont littéralement passées à la télé et qui n'ont aucun sens. Genre, il n'y a pas de but à ces pubs. Je ne comprends pas pourquoi elles sont passées à la télé. Certaines devraient même être illégales, je pense. Parce que j'en ai déjà commencé à regarder. En fait, je commençais à regarder des pubs et tout. Je me suis dit, faut que je réagisse à ça en vidéo. Faut que les abonnés voient ça. Parce que là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va réagir aux pubs les plus dingues faites en Europe. Et si les gars, vous kiffez le concept et qu'après vous voulez qu'on fasse des épisodes, là on regarde par exemple les pires pubs coréennes, les pires pubs américaines et tout, parce que là tout ce qu'on va regarder c'est européen. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Wesh, après je fais genre comme ça, t'es un mode américain hier. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche et lâcher votre meilleur pouce bleu. Et on commence la vidéo maintenant. La première vidéo, la logique c'est de deviner qu'est-ce qu'elle vend. Pour l'instant, moi je pense des bananes. Oula. Oula. Le daron il est pas bien, wesh. Non mais attends, mais en vrai c'est trop drôle. Cette pire. Ah ouais, elle a carrément fait. Oh non, faut pas abuser. Genre, elle a vraiment fait genre la blague de trop. Mec, c'est trop bizarre. Elle pépon une banane. La meilleure façon de manger une banane, c'est de la boire. Mais c'est méga brutal. Ton truc, il est rouge. Mec, ton truc, il est rouge. D'où il y a une banane là-dedans? C'est du jus de ce que tu veux. C'est même peut-être du sang de vampire, du sang de moldu. Mais c'est clairement pas un jus de banane. Par contre, les gars, la pub, elle était incroyable. Genre, ça s'est passé à la télé. Genre, personne n'a rien dit. Mais c'est clairement une pub bizarre, les gars. Moi, pour l'instant, je suis choqué. Ok, autre pub. Ok, là, c'est un Dogs. Oh, il est tout content. Hein. Là, ça se voit, il est en chien. Mec, il a des chaînes bling bling, c'est un rappeur. C'est Snoop Dogg, littéralement. Le 25. Genre en mode, il s'est trompé l'adresse. Oh, mais j'avoue, mais les chiens, en vrai. Aux États-Unis avec le bail, là, la petite trappe sous la porte. Mais en fait, les chiens, ils peuvent tous aller l'un chez l'autre. En fait, s'il n'y a pas de grillage. Genre, clairement, le chien, il peut squatter chez quelqu'un d'autre. Ok. Alors, je n'ai absolument pas compris cette pub. Et j'ai encore moins compris le rapport avec Ikea. C'est une pub pour un chien, mec. Waf, waf. Ok. Ça, je pense, c'est une pub pour un micro. Genre, parce que là, il fait des effets spéciaux et tout. Quoi? Attends, ça, c'est une pub pour les fruits de végétariens. Mais c'est forcément végétarien, un fruit, c'est un putain de fruit. Genre, attends, le cinéma ne serait pas la même chose sans des fraîches végétarian snacks. What the fuck? C'est une chaîne de restauration. Mec, je n'ai absolument pas compris. Je me demande combien de gens sont, après cette pub, venus dans le resto en mode « Ah ouais, vous aviez raison, en vrai, dans les fruits, il faut pas qu'il y ait de vaches et tout. » Genre, les gars, mais ça paraît logique. Un fruit, c'est un fruit. Eh les gars, je suis pas bien, ça n'a absolument aucun sens. Et vous savez, sur YouTube, on évite les pubs, et là, c'est quand même une vidéo où on regarde des pubs. Est-ce que quelqu'un peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Ok, bon là c'est clairement une pub pour une voiture. Sinon je me coupe une couille. Non, dis-moi par contre que c'est... De Smart Foufour? De Smart Foufour? Mais tu veux fourrer qui? Mais de quoi? Attends, Smart, ils ont fait une pub là où il y a juste ce mec qui fait peur à son pote? Et c'est quoi cette tête qui nous tape après le gazo là? Allez, première tête! Là, c'est la tête surprise. Mais là, mec, il est clairement en transe. Qu'est-ce qui va pas? Genre, mec, il est pas bien là. Genre, aidez-le, le pauvre. Qu'est-ce que vous faites? On récupère nos affaires. On récupère juste nos affaires et on te laisse. Désolé, excuse-moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gars, Pff, et cette journée là, oh là là. Genre, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon là, ça commence à me gaver. Non, mais il n'y a pas de moi, je vais mourir. Non, je ne vais pas. Mais elle est où ma batte? Ah, mais elle est là. Béquille, ça fait longtemps. Mais elle t'a laissé. Ah. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai une batte au studio, c'est pour dégager les intrus. Voilà. Si j'utilise béquille, c'est pour mettre des béquilles, ça paraît évident. Regardez, t'es là. Pings. Parce que là, je sais qu'il y en a qui vont me déranger encore pour ma vidéo. Ok, là, c'est une pub pourquoi? Ça, c'est moi qui fuis tous mes problèmes. Ça, je sais pas c'est quoi. Est-ce que ce serait pas une pub pour les tronçonneuses? Est-ce que ça serait la fameuse pub des tronçonneuses? Est-ce que ce serait pas une pub pour l'eau? Est-ce que c'est une pub pour acheter des cascades? Mec, mais ce gars vit un cauchemar en fait. Bon, c'est gratuit ça par contre. Quoi? Non. J'y crois pas. J'étais embarqué dans un camion de livraison. C'est une pub en française. Et voilà comment j'ai atterri ici. C'est incroyable. Hein, t'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou.
c'est une pub pour Canal Plus ? Genre ça, c'est arrivé en France, mais ça n'a absolument aucun sens. Ils ont mis tellement de budget dans cette pub, frère. Entre la partie dans la forêt, la partie dans l'usine. Oh là là ! Est-ce que ça m'a particulièrement envie de plus télécharger Canal Plus ? Je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. Il se passe quoi là ? Ok, il s'est blessé à la main. Je pense que c'est un but. Legno o metallo. Tu t'es fait mal avec du métal ou du bois ? Lui dit qu'il s'est fait mal avec du métal. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens ! Genre, t'as deux mecs à l'usine. Il y en a un, il s'est fait mal avec du bois, genre comme... Voilà, made with wood. Hungry. Donc les gars, là, ça veut dire qu'il se fait mal avec du bois. L'autre, il s'est fait mal avec du métal, mais c'est parce qu'il se fait niquer par sa femme. Et pourquoi il est marqué with the pig ? Tu me prends pour un porc ? Et je vais te démarrer. Et je vais te démarrer. C'est qui t'a dit porc ? Les gars, je ne comprends pas cette pub. Je n'achèterai pas ce produit. Ok. Ça, c'est une pub pour du chocolat. Ça, c'est sûr, c'est comment ils sont les profs dans la salle des profs. Genre, quand on sait pas ce qu'ils font, je suis sûr ils sont comme ça. Ça, c'est les profs de physique. Mais c'est incroyable, par contre. Genre, mec, c'est giga stylé, hein. Quoi ? C'est une pub pour des gâteaux sans gluten à... What ? Mais ça n'a aucun sens ! Et pourquoi il y a marqué nœud ? C'est toi qui est nœud, là, je comprends rien. Et ça me saoule. Je connais même pas la langue du truc. Oh là 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 là. Alors, je ne vais pas traduire la phrase parce qu'elle est un peu tordue. Je pense que les gens qui connaissent l'anglais sauront. Je vais rien dire. En gros, le gars a demandé globalement, est-ce que la meuf, elle peut le... Et elle a répondu... Non, elle veut pas. Et pourquoi pas avec les mains ? Je sais pas. Non. Attends, mais wesh, mais oh là 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 là, et range ta braguette, là, range ta crevette. Est-ce que tu peux l'imaginer en tenant une bouteille de ketchup ? Oula, je vais me faire censurer, moi. Une bouteille de ketchup ? Oui. Non. Non. Ok. Ok. Elle a vite changé d'avis quand même, hein. Je sais pas ce que le gars lui a montré, mais mec, attends, tous ceux qui ont déjà eu des rapports, on est d'accord que c'est vraiment weird là, hein. Genre c'est vraiment personne n'est aussi creepy que ça dans ce genre de moment. Tellement pas à l'aise, faites-le quand vous êtes à l'aise les gazos. Là vous forcez en plus, c'est quoi votre histoire de ketchup ? Mais elle a tapé fort. Mais les gars, mais attendez, tous les mecs, on est d'accord qu'on a tous eu mal? Oh, c'est horrible. Mec, c'est horrible. Mais elle a vraiment fait ce que je crois qu'elle a fait, hein. J'ai pas envie de réfléchir. Il y a vraiment une pub pour le ketchup Heinz. Je ne verrai plus jamais le ketchup de la même façon. Les gars, pour des moments inoubliables. Bah là, crois-moi que tu vas jamais oublier ton moment. Elle t'a détruit la bite. Non mais les gars, c'est incroyable. Je me sens pas bien. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le rapport avec votre produit? Mais c'est horrible. Et ça, les gars, c'est des pubs qui sont passés à la télé, hein. Tout va bien. Ok, là, c'est une nouvelle pub. Oula, mais wow. Bon, par contre, pourquoi autant de violence dans toutes vos pubs, là? À noter que dans toutes ces pubs, les armes sont fausses. Donc, YouTube, ces trucs qui sont passés à la télé, c'est au calme. Parce que YouTube, là, en ce moment, ils aiment bien me mettre un peu dans la sauce. Alors que moi, j'ai rien fait, moi, je me réacte, hein. Alors, c'est une pub pourquoi? Ok, lui, il est en mode s'éclater. C'est vrai qu'il est pas très bon, par contre, hein. La cible, elle est pas très loin, hein. Gazo, ressaisis-toi. Ah, mais là, il est éclaté, les gars, hein. Et ça, c'est sûr, c'est une pub pour des lunettes. Parce que lui a des lunettes et pas l'autre. C'est ça qui fait la différence. Ok, j'ai rien dit. Ok. Oh, le génie! Et j'étais presque, les gars. Il y a marqué que c'était un High Vital Capsule. Donc, en fait, je pense que c'est des lentilles de contact. Mais la pub, elle est trop stylée, mec. Là, elle est stylée pour le coup. Là, elle a un sens, tu vois. Jusque-là, elle a un sens. Ok, alors, attention, les gars. Là, je vais enchaîner. C'est que des toutes petites pubs super rapides. Ok. I'm gay. Excellent. Sometimes life's more than a 3-minute conversation. Talk for up to 60 minutes, pay for just 3 with... Wow! Mais mec, la pub, elle est hard, hein, quand même. Hein. Genre là, elle est très difficile, cette pub, hein, à comprendre. Genre, ils sont pas les couilles, hein, mais c'est terrible. Mom, it's twins. Thanks for calling. Attends, quoi? Mais c'est... En fait, c'est des... Eux, ils se sont dit, ils vont faire des pubs très courtes, mais en faire plein. Comme ça, tu vois, ils spamment. Mais ils ont fait combien? It's off. No problem. Mec, la meuf vient de lui annoncer qu'il voulait rompre, enfin qu'elle veut divorcer, et qu'elle a fait pas de problème. C'est vrai, il attendait que ça. Non mais mec, c'est bon, attends, ça on va pas les regarder parce que c'est que des pubs comme ça. Maintenant on va regarder les pubs les plus bizarres. Première pub, les crochots, les crachacos.
C'est... Mais c'est incroyable. Eh, on dirait pas trop. Il dit, je veux des gros chats. Des gros chats. C'est une hallucination auditive. Mec, c'est trop bizarre. Ça, c'est une pub qui est passée à la télé. Ça, c'est une pub. Là où il y a des gens, ils ont dit 2000 euros. Direct. Par minute. Direct. On en fait 100. Mec, c'est des dingues. Genre, mec, ils ont fait une pub qui n'a littéralement pas de sens. Là, les gars, masterclass. C'est une pub pour Coca. Coca-Cola, c'est sûr, ils ont du budget. Hein. Ok, là, c'est une pub pour Coca. Je comprends. Bah, je pense, hein, j'espère. C'est une pub pour Pepsi. Les gars, elle est mal faite, votre pub. Ouais. Mais ça a dû vraiment arriver. À New York, il y a vraiment. C'est des parades de ballons géants. C'est sûr qu'il y a dû avoir des dingueries. Genre, ils se sont accrochés dans les immeubles. Ils ont cassé des trucs, genre des fenêtres. Ouais. Oh, mais c'est un truc de baiser. Mais mec, c'est incroyable. Mais toi, regarde la route par contre. Mais comment elle va se terminer cette pub? En vrai, c'est ça que je me demande. C'est sûr, le ballon il éclate. C'est qui lui? Ça fait peur un peu là. Lui, c'est le démon lui. En vrai, c'est pas une mauvaise pub, hein. C'est juste qu'elle était un peu bizarre. Surtout le moment où lui là. Il monte sa tête comme ça. Voilà, on est d'accord, c'est bizarre. Quoi? C'est quoi? Attends, la danse de la gouttière, elle a un quoi par contre? Genre, elle est comme ça, elle fait. Mec, c'est n'importe quoi. Mais mec, c'est... Tu veux que je dise quoi? Mais là, les gars, je sais que vous vous attendez à ce que je dise un truc de ouf, mais là, j'ai rien à dire. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas. Dites-vous, il y a des gens qui payent très cher. Hein. Là, la pub, elle a dû coûter extrêmement cher. Mais je suis pas sûr qu'ils aient vendu plus de produits pour autant. Hein. Mais c'est, en vrai, l'idée était bonne. Là, c'est Coca-Cola. Wesh, c'est vieux, ça. Oh, c'est dérangeant, je trouve. Hein. Il est bizarre, le style graphique. Ça c'est drôle par contre. Si vous avez la rêve, c'est drôle. Ça n'a aucun sens. C'est une pub pour Coca-Cola à la Coupe du Monde. Mais je n'ai rien compris. Elle doit être vieille, hein. Cette pub elle doit être vraiment vieille. Tu vois ta grand-mère? Presque aussi vieille. Oh non, le pauvre. Ça se voit. Ça se voit, c'est juste un mec. Genre qui vend des matelas. Mais il savait vraiment plus quoi faire pour vendre des matelas. Parce que son entreprise elle fait faillite. Parce que personne achète ces matelas. Parce qu'ils sont pas confortables. Parce qu'il met des cailloux dedans. On lui explique pourtant, mais il continue. Et là, il a sorti vraiment. Il était à fond. Il a fait une pub. Il s'est dit, vas-y, j'ai investi tout l'argent de la boîte. Crache tout direct. Sa meilleure cravate Bob l'éponge pour bien montrer que c'est un mec sérieux. Et genre, regardez-le. Ok, là, c'est une pub pour Eden. Qui est en gros une marque qui fait de la colle. Point. De la colle. C'est nous, on a UU, eux, ils ont Head-on. Head-on. Apply directly to the forehead. Head-on. Apply directly to the forehead. Head-on. Apply directly to the forehead. Ils ont créé de la colle pour se coller le front. Mais ça ne sert à rien. Et en plus, pourquoi vous êtes obligé de répéter 1000 fois? Genre, c'est sûr, après, genre, le soir, quand tu dors, t'as encore cette voix dans ta tête. Head-on. Apply directly to the forehead. Head-on. Apply directly to the forehead. Head-on. Head-on. Oh putain. Les gars, j'ai fait un cauchemar. Genre, j'ai rêvé que je mettais de la colle sur mon front. La prochaine personne qui dit « Head-on », je le démonte! Non mais, les gars, c'est des dingues. Non mais quoi? Non, mais pas encore! Non! Sortez de mon crâne! Non! Mais on a compris comment il marche ton truc, mais personne va le faire! Ils en ont fait d'autres! Mais c'est un truc de malade! Mais attends, ils font une pub? C'est comme si moi, d'un coup, je payais une pub à la télé, je faisais « Rayton, une chaîne YouTube, Rayton, une chaîne YouTube, Rayton, une chaîne YouTube. » En vrai, d'une certaine manière, on rentre dans la tête des gens. Ok, les gars, celle-là, apparemment, c'est la plus bizarre des pubs. Oula! What? Eh, je comprends rien à la pub, en fait, parce que je parle pas de la girafe, mais c'est très stylé. Elle a des seins dans le dos. Et la meuf, elle a dit ça existe pas dans la nature. Mais il y a aucun d'entre vous qui existe dans la nature. D'où une girafe, ça parle anglais. Voilà, ça existe pas. Ça, c'est le seul truc. Genre, c'est le seul truc qui fait que... Mais c'est un truc de baiser. Mais ils sont trop bizarres, les gens. J'en peux plus. J'ai envie de mourir. Je m'en vais. Ça m'a gavé. Tu sais. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour rejoindre la communauté, les gars. Vous êtes de plus en plus. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram. Là-bas, je publie beaucoup de choses. Et il y a un gros concours qui arrive, les gars. Je vous dis pas plus. Alors, allez sur mon Instagram, Rayton-YT, et fais-le. Genre, dis pas juste, je vais le faire plus tard. Non, tu le fais maintenant, parce que sinon, tu vas oublier. Je te connais. Les gars, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez passé un moment. C'était Rayton. Et piou! Ciao!